clarify over time. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. My brain is a machine, I should control it before I talk. But each night in my dream, our conversations are written in chalk. And how can we reach the point when we accept the sadness? How can we reach the point when we are tired of talking to each other? Take you out of that sunny day into deep shades. Pop all that bubble you say, give you edge, all saves. The industry all saves. And constantly your rival, mate and CC. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre qu'on va suivre ensemble avec Pierre Ménès. Salut Pierre. Salut Hervé, salut tout le monde. À l'affiche aujourd'hui, Bournemouth face à Southampton. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons plus classique. On découvre un instant la composition de cette équipe de Southampton. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Westergaard. Ariel Romeu. Les visiteurs qui ont la meilleure attaque du championnat. Les joueurs vont aborder le match en pleine confiance et on peut s'attendre à avoir des buts aujourd'hui. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ouais, la frappe. Ah, il rate le cadre, mais de justesse. Lewis Cook. Cédric, Robert Ménès, Matt Target, un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu, elle s'est repoussée du point par le gardien. Dominique Solanke. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Un centre qui sort directement en sortie de but. On revoit encore une fois cette action. On n'était vraiment pas loin du but. Il a débordé la défense. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Matt Target. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Bon jaillissement sur cette passe. Ah, c'est un boulevard là pour Bournemouth. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et lui aussi. Ah ouais, l'interception, il a tout anticipé. La frappe, arrêt du gardien. Interception. Ariel Romeu. Il donne un ballon piqué. Cédric. Oh, le tacle dans la surface, c'était osé. Mais il a eu raison, ça a payé. Allez, dans le couloir.
Auriol Romeu. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Cook. Matt Target. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. C'est sauvé in extremis. Pratiquement sur sa ligne. Ça a failli rentrer. Heureusement qu'il y a eu le bon réflexe pour éviter ce but. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Jefferson Lerma. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Robert Neves. Le ballon change de camp. Robert Neves. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et la frappe qui trouve la barre. Oh, la barre qui tremble encore. Quelle frappe! Jefferson Lerma. Lewis Cook. Dominique Solanke. Junior Stavislas. Ouais, on passe par les côtés. C'est dans le paquet. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Le long de la ligne de touche. Attention le tir. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters. Et Lyon aussi. Ah, c'est contré. Une balle d'égalisation. Non, non, ce sera finalement en jeu. Lewis Cook, Jefferson Lerma. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La passe est mal assurée. C'est une interception. Et donc, sortie de but. James Ward-Prowse. Robert Neves. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Le gardien qui repousse. Auriol Romeu. Pierre-Emile Højbjerg. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Jordan Hype. Elsaïd Isaï. Cook. Lewis Cook. Ils font circuler le ballon de leur camp. Et il continue puisque notre équipe ne vient pas les chercher. Steve Cook. Cook. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Lewis Cook. Elsaïd Isaï. Jordan Hype. Et voilà, déjà 45 minutes. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Lewis Cook. Diego Rico. Junior Stavislas. Ah, elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Ah, attention à l'éventuelle contre-attaque. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite.
Ouais, c'est le jeune. Je suis assez vert ce carton. Hein. Un coup franc qui est joué court. Alors le ballon est perdu. Ouais, lumineuse cette passe. Ça c'est plutôt moyennement joué. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Elle la voilà la frappe. Elle a complètement manqué son tir. Jefferson Lerma. Lewis Cook. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Dominique Solanke. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mais non, un manque de précision sur cette frappe. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ah, la bonne qualité de ses passes. Junior Stavislas. Ouais, la frappe. Le gardien remplaçant qui s'impose sur cette action. Maya Yoshida. On écarte le jeu. Il va s'appliquer sur ce centre. C'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Supporter qui sent venir l'égalisation sur ce corner, on dirait, c'est marrant. L'arbitre qui avait une faute dans la surface, et oui, c'est un penalty. Il transforme son penalty. On voit ce pénalty au ralenti. Joli premier franc-court, on fait face-à-face avec le gardien. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Elsa Dizay, Dan Gosling. Le centre peut-être. C'est un corner à venir. Il peut donner à son équipe l'occasion de prendre l'avantage. Un corner pour mener dans ce match. C'est pour ça que les supporters se manifestent. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, une tête qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Ça part bien, action dangereuse. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, ça se bat pour la conquête du ballon. Mario Lemina. Westergaard. Cédric. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Le long de la ligne de touche, ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Alors carton ou pas pour cette faute? C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Westergaard. James Ward-Prowse. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. C'est dans le paquet. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Le tir. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Callum Wilson. J'ai forcé la main. Junior Stavislas. Oui, il va centrer là. Ouais, le centre dégagé du point par le gardien. Jefferson Lerma. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Le temps qui file dans ce match, la décision n'a toujours pas été faite. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Cédric, allez, il faut le mettre celui-là.
Et les voilà. Et voilà, ils passent devant. Ils prennent l'avantage au bon moment. Oh oui, au bon moment, parce que l'adversaire a très peu de temps pour réagir, du coup. Ce joueur qui doit sortir après un bon match, hein, solide. Hein. Je trouve même qu'il a été très bon, mais il a peut-être besoin de souffler un peu. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Dominique Salanqué. Le gardien adverse s'empare tranquillement du ballon. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant. Matinguet. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Et le public qui pousse, Pierre. Hein. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Ouais, visiblement, il y croit et c'est bien. Redmond. Ouais, la passe en profondeur, attention. Ah oui, le tir. Ah, c'était une vraie occasion nette hein, pour tuer le match. Mais on va rester sur un petit but d'écart grâce à cet arrêt. Ouais, super barré qui permet à cette rencontre de garder tout son intérêt. Supporter qui prend encore à l'égalisation et qui pousse. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions hein, pour eux dans ce match. Ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Egovic. Robin Neves. Ariel Romeo. Et après, l'arbitre. With your eyes fixed to the floor, sounded echoed down the street.